Bienvenue sur cette chaîne consacrée à la création de sites sur WordPress. Je m'appelle Marc. Dans cette vidéo, on va regarder la structure des permaliens. Donc, on va voir comment personnaliser la structure des permaliens et ce que vous devez faire sur votre site dès que vous avez fait une nouvelle installation de WordPress. Donc, c'est vraiment important de faire ça en premier lieu parce qu'après, vous pouvez avoir des erreurs 404 sur vos pages. Donc, si vous avez à modifier la structure de vos permaliens, il faudra le faire dès le départ. On va voir tout ça ensemble, c'est parti. Avant de se rendre directement sur WordPress, on va rappeler ici un petit peu ce qu'est un permalien. Un permalien est la partie de l'URL qui se situe après le nom de domaine. Il est composé d'un ou plusieurs slugs. Donc, on le retrouve ici, vous avez le nom de domaine avec le protocole, qui est en premier. Ensuite, on a le sous-domaine qui est facultatif. Ensuite, on retrouve le domaine. Ensuite, on retrouve un ou plusieurs slugs derrière ce nom de domaine. Et cet ensemble de slugs se nomme le permalien. L'ensemble du lien se nomme une URL et c'est ce qui permet d'accéder à un contenu sur Internet. Donc, ça permet comme ça de pouvoir personnaliser chaque partie de son URL afin de pouvoir améliorer soit son référencement, soit la compréhension du contenu par les visiteurs. Nous voici sur la création d'un nouvel article. Par défaut, avec les permaliens qui sont sélectionnés par WordPress, on va se retrouver avec des URL qui vont être de ce type ici. Donc, imaginons qu'ici, je crée mon article. Cet article, je lui donne un nom. Et je vais le publier. Donc, par défaut, si vous ne faites rien au niveau de vos articles, les liens que vous allez avoir au niveau des URL vont être le nom de domaine suivi d'un slash avec un point d'interrogation qui représente en fait un attribut get. Et on a ensuite le numéro de la page, enfin la page, qui est égal à un identifiant. Donc, par défaut, on va avoir une URL qui va être composée avec l'identifiant de l'article. On a la possibilité sur WordPress de personnaliser ces URL en changeant la structure du permalien. Donc, pour ça, on peut aller au niveau des permaliens, on va aller au niveau du tableau de bord, on va aller au niveau des réglages et ensuite, on va aller sur permalien. À cet endroit, on va retrouver deux types de structures qui sont proposées par WordPress. On va avoir une structure simple, qui est celle par défaut, qu'on retrouve avec le nom de domaine plus le numéro du poste. Et ensuite, on va avoir du mode rewrite, c'est-à-dire un mode de réécriture d'URL qui va proposer différents aspects. Donc, on aurait encore un troisième type qui serait possible, mais il n'est pas présenté ici. Donc, on ne va pas en parler dans cette vidéo. Donc, on a ici le mode rewrite qui est appliqué pour mettre la date et le titre dans l'URL, dans le permalien. On va le retrouver ici. Donc, on a d'abord la date de l'article, de la publication de l'article, et ensuite, on a le titre de l'article. On a ensuite une possibilité de créer avec le mois et le titre. Donc, ici, on a l'année, le mois, et ensuite le titre de l'article. On a ensuite la possibilité d'avoir une structure numérique qui ressemble beaucoup à la structure simple, mais en fait, on retrouve ici le nom archive entre les deux qui va permettre de catégoriser plus ça dans un dossier par rapport à ce que vous avez ici au niveau de l'URL simple. On a ensuite la possibilité de sélectionner le titre de la publication. Donc, le titre de la publication, c'est ce que je vous conseille de sélectionner dès que vous faites une installation de WordPress. Surtout, ne modifiez pas la structure de vos permalients si vous avez déjà créé du contenu sur votre site. Il faut que ce soit l'action la première que vous allez faire sur votre site avant de créer soit des pages, soit des articles, puisqu'après, sinon, vous risquez de vous retrouver avec des pages 404 au niveau de votre site. Si jamais vous êtes obligé de changer la structure des permaliens, à ce moment-là, il faudra vous assurer de faire les redirections des anciennes URL vers les nouvelles URL. Sinon, vous aurez plein de pages 404 au niveau de votre site. Donc, la structure la plus commune que l'on va prendre au niveau de WordPress va être le titre de la publication, qui est ici. C'est ce que je vous conseille de prendre par défaut.
Ou alors, vous avez également la possibilité d'avoir une structure personnalisée. En attendant, on va déjà voir le titre de la publication simple. Ici, je vais enregistrer. On va retourner sur l'article que j'avais publié et on va aller voir l'article. Ici, on peut voir qu'à la place d'avoir un point d'interrogation P égale et l'identifiant, on a maintenant le nom de l'article qui est indiqué juste derrière. Donc, on a la possibilité également de personnaliser cette URL. Peut-être que dans cette URL, on aimerait bien, par exemple, avoir la catégorie qui s'inscrirait juste avant, sans être obligé d'aller dans une liste des différentes catégories. Donc, on retourne sur la structure des permalinks. Et pour personnaliser cet élément, on va pouvoir sélectionner Structure personnalisée. À ce moment-là, on dispose de différents balises qu'on va pouvoir intégrer à l'intérieur de notre permalien pour créer une URL qui soit plus compréhensible non seulement pour nous, mais également pour les visiteurs du site. Donc, par exemple, on pourrait vouloir ici mettre la catégorie. Et ensuite, on voudrait avoir le titre de l'article. Donc, on va mettre Postname. Ici, servez-vous des balises. Ne mettez pas du contenu en direct. Ça vous permet d'avoir une structure qui soit vraiment correcte et ça vous évite des problèmes sur WordPress. Ici, je vais enregistrer les modifications. Et maintenant, si on retourne sur notre article, je vais aller sur mon article. Je vais le mettre dans une catégorie déjà. Donc, je vais mettre, admettons, photographie, dans la catégorie photographie, je vais mettre à jour. On va aller voir l'article. Et ici, on se retrouve bien avec la catégorie qui est indiquée dans l'URL, suivie du nom de l'article, juste derrière. On a cependant, quand on fait ce genre d'URL, ça ne nous empêche pas d'avoir quand même des problèmes avec des articles, notamment quand vous êtes sur un blog, ici. Vous allez vous voir certainement lister les articles de blog sur votre site. Si une personne clique sur l'une des catégories, imaginons que je clique ici sur photographie, automatiquement WordPress va nous signaler dans l'URL que le mot que l'on a cliqué fait partie en fait d'une catégorie. Donc ici, dans l'URL, on va retrouver un mot en anglais qui est catégorie. Et ensuite, on va avoir notre URL personnalisée avec ici le nom de l'article juste derrière. Donc, une fois que c'est fait, ce qu'on peut faire, c'est changer ce nom et le personnaliser de telle manière que ce soit déjà en français plutôt qu'en anglais et que ce soit un peu plus compréhensible pour les catégories qui seraient sélectionnées. Donc, pour ça, on peut retourner au niveau du tableau de bord. On va pouvoir aller dans Réglages et on peut aller sur Permalinks toujours. Et ici, au niveau des préfixes des catégories, on peut modifier en fait ce préfixe de catégorie et le passer par exemple en français. Donc on peut faire exactement la même chose avec les étiquettes, c'est-à-dire que si vous avez créé un article et que vous lui avez attribué une étiquette, dans l'URL, vous aurez le nom de domaine, tag et ensuite le nom de l'étiquette. Donc c'est pas génial au niveau des URL. Donc vous pouvez également changer le préfixe des étiquettes des permaliens ici, enfin dans les slugs, pour dire que votre permalien soit un peu plus clair au niveau de l'affichage. Donc si je mets catégorie, donc je mets un E, que je retourne sur mon article. Maintenant, si je vais voir mon article ici, ouvrir, je clique sur une catégorie. On peut voir ici que catégorie est bien marquée en français. Donc là, on a bien réussi à traduire le mot par défaut qui est fourni par WordPress. Il existe une dernière solution, c'est que peut-être que vous voulez que cet élément n'apparaisse pas quand une personne va cliquer sur une catégorie. C'est-à-dire que quand une personne va cliquer, admettons, sur photographie, qui va lister l'ensemble des articles dans la catégorie photographie, on n'aura plus le mot catégorie dans le titre. Donc ça, c'est possible aussi. Pour ça, on revient au niveau du tableau de bord. Donc je reviens sur les réglages et les permaliens. Je vais supprimer là. Pour être un peu plus clair, ici, je reviens. Hop.
peux prendre celle-ci. Donc ici, on voit bien qu'on a catégorie suivie du nom de la catégorie. On peut supprimer ce terme qui est employé par défaut par WordPress en allant donc dans les réglages des permaliens. On va au niveau des préfixes, ici c'est une catégorie et non un tag. Donc on va au niveau du préfixe des catégories et ici dans le formulaire, on va mettre simplement un point. Ce point va supprimer ce mot dans l'URL. Donc ici, quand j'enregistre les modifications, si je reviens sur mon article, ici je vais faire un clic droit, ouvrir dans un nouvel onglet, je vais cliquer sur ma catégorie photographie et maintenant on peut voir que le mot catégorie a disparu de l'URL. Donc voilà comment vous pouvez traiter l'ensemble de vos permaliens au niveau de WordPress. Pour résumer, par défaut, prenez la structure au titre de la publication et si vous voulez personnaliser un peu plus vos URL, à ce moment-là, créez une URL personnalisée en vous servant des balises qui sont disponibles pour la personnalisation de vos permaliens. Et ben voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, qu'elle vous aura apporté pas mal d'informations au niveau des permaliens de WordPress. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à liker, à commenter et à partager. N'hésitez pas non plus à aller faire un saut en dessous de la vidéo pour découvrir les liens qui vous permettent de vous améliorer dans la création de vos sites WordPress. En attendant, je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. Je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao. Check the mic and make sure it sound right, boys.